Bienvenue sur la nationale 2 et 3, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence d'apprentissage qui sera présentée par Emira Moksheh, professeur de SVT au lycée Manzahneuf Tunis 2 et ce, sous l'assistance pédagogique de Madame Sonsochbara, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. Le contenu de la présente vidéo s'adresse aux apprenants du baccalauréat faisant partie de la section sciences expérimentales. Par ailleurs, je tiens à vous informer que toutes les connaissances auxquelles vous serez initiés durant cette vidéo s'inscrivent dans le cadre du dernier thème de votre programme officiel, qui est l'immunité. Commençons tout d'abord par un rappel. En effet, le maintien de l'intégrité de l'organisme consiste à euh, contrer l'intrusion de tout agent infectieux. On parle ici de micro-organismes pathogènes. Et cette immunité est assurée dans un premier temps par des barrières naturelles. On parle ici de barrières mécaniques regroupant peau et muqueuse, tapissant nez et, 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 et orifice, mais aussi des barrières naturelles chimiques. On parle ici de sueur, larmes et les sécrétions, à titre d'exemple, les sécrétions vaginales. Ces deux barrières sont en fait des acteurs d'une première ligne de défense qui correspond à l'immunité naturelle. Dans certaines situations, l'agent infectieux est capable de franchir ses barrières, et ce, à titre d'exemple, lors d'une blessure. Il s'ensuit une réaction inflammatoire dont les manifestations majeures sont douleur, rougeur, fièvre et odème. Il faut noter que la réaction inflammatoire ne parvient pas dans certaines situations à défaire l'organisme de l'action du pathogène. D'où l'entrée en scène d'une deuxième ligne de défense dont les acteurs font partie d'une immunité dite spécifique. Et c'est ainsi que la présente séquence euh, d'apprentissage se focalisera sur l'étude de ce type. D'immunité. Fait intéressant, cette immunité pourrait être renforcée dans certaines situations par ce qu'on appelle la vaccination. De quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque ce terme En effet, la vaccination est une approche thérapeutique qui consiste à inoculer à un sujet un antigène atténué afin de lui conférer une euh, immunité, le protégeant contre une deuxième rencontre avec le même antigène, mais euh, un antigène qui est plus agressif que lors de la première rencontre. Concernant la vaccination anti-polio, cette approche thérapeutique vise à protéger l'individu contre une pathologie baptisée poliomyélite. Et comme vous le savez, ce terme a été évoqué lors de l'étude de la neurophysio. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, la vaccination est là pour conférer au sujet une protection. En effet, la poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un agent de nature virale lors de la neurophysiologie en particulier lors de l'étude de la motricité. Vous savez que les mouvements nécessitent le lien anatomique et la jonction neuromusculaire et que le virus de la poliomyélite a une affinité ou bien il va cibler le corps cellulaire multipolaire en neutralisant le noyau. On parle ici d'une mort cellulaire qui va s'accompagner par une dégénérescence de l'axone, et c'est ce qui va être à l'origine de la rupture de ce lien anatomique. Cette rupture va se manifester par la forme paralytique de la poliomyélite. La protection assurée par la vaccination anti-poliomyélite serait-elle en mesure de protéger contre la diphtérie, qui est une maladie infectieuse causée par un agent pathogène de nature bactérienne De plus, il faut savoir que les moyens de défense du système immunitaire vont se retrouver en face d'une diversité d'agents infectieux dont, je cite, virus et bactéries. Euh, remarquez ici que l'échelle de grandeur n'a pas, euh, pas été respectée. Devant cette diversité, une question émerge. La nature du pathogène pourrait-elle solliciter un dispositif de défense particulier De quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque dispositif Ce terme regroupe des acteurs cellulaires et moléculaires dont nous ignorons l'identité. Et c'est ce qui fera en fait euh, l'objet d'études du présent cours. Des acteurs dont nous ignorons les Endroits ou les lieux de leur formation et la manière selon laquelle les cellules deviennent en, en mesure de neutraliser l'agent infectieux. Si l'on s'intéresse à la rougeole et à sa manifestation majeure, euh, nous sommes ici en présence d'une maladie dont le nom soit exogène et de nature virale. Cette maladie a la capacité de se soigner sans l'intervention d'un médecin et même après la guérison aucune récidive ou bien aucune rechute notable. Comment expliquer l'absence de récidive En effet, nous sommes ici en présence de ce qu'on appelle une acquisition d'une immunité, qui est une propriété de l'immunité spécifique, une propriété parmi tant d'autres qui feront l'objet d'études au fur et à mesure que l'on avance dans la séquence d'apprentissage. Dans ce qui suit, on va se focaliser sur les acteurs de l'immunité spécifique en commençant dans un premier temps par une étude de, des propriétés de la réponse immunitaire spécifique. Pour y parvenir, consultons le manuel scolaire à la page 286 tout en s'intéressant à l'activité 1 qui vise à analyser des résultats d'expériences réalisées sur des souris qui n'ont jamais été atteintes ni par le tétanos ni par la diphtérie. Je vous informe que ces deux pathologies ont pour trait commun une étiologie bactérienne, cependant, l'agent infectieux diffère quelque peu. Pour le tétanos, nous avons le bacille tétanique, alors que pour la diphtérie, nous avons le bacille de coque. Intéressons-nous aux documents. L'expérimentateur avait opéré à partir de la souris A, qui n'a jamais été atteinte par le tétanos. Cette souris a fait l'objet d'une injection à l'aide de la toxine tétanique. Il s'ensuit une mort de l'animal. Nous sommes ici en présence d'une substance capable de nuire à l'animal. Donc elle est dotée d'un pouvoir pathogène. Si l'on s'intéresse à la consigne l'auteur nous demande d'analyser les résultats de, chaque, de cette expérience. Et ce que l'on peut dégager, c'est que la toxine tétanique, dans ce cas-là, injectée à la souris A, s'est avérée virulente, c'est-à-dire dotée d'un pouvoir pathogène intense, capable d'induire une létalité. Passons maintenant à la souris B, qui n'a jamais été atteinte par la maladie qu'est la diphtérie. Cette souris a fait l'objet d'une injection par la toxine diphtérique et il s'en suit une mort. Un résultat similaire à celui obtenu pour la souris A. Donc nous sommes ici en présence d'une toxine diphtérique virulente et létale. Qu'en est-il de l'expérience réalisée sur la souris C En effet, cette souris n'a jamais été atteinte par le tétanos, a fait l'objet d'injection par l'anatoxine tétanique. Mais de quoi parle-t-on juste lorsqu'on évoque le terme anatoxine En effet, l'anatoxine est une substance bactérienne, traitée, ayant perdu ses propriétés pathogènes, virulentes, mais tout en conservant, mais tout en ayant conservé ses propriétés immunogènes, c'est-à-dire capable de solliciter le système immunitaire et de déclencher une réponse sans pour autant induire une létalité. À l'issue de cette injection par l'anatoxine, s'ensuit une injection par la toxine tétanique et ce, au bout de 15 jours. Il s'ensuit une survie de la souris. Que s'est-il passé entre les injections Ou bien on peut se poser la question quel est l'effet de l'injection de l'anatoxine tétanique en effet, la souris C ayant reçu l'anatoxine tétanique vient d'acquérir une résistance vis-à-vis -vis la, euh, la virulence de la toxine tétanique. Dans ce cas-là, il est possible de dire que la, la souris C est immunisée contre la toxine tétanique. De l'expérience menée sur la souris C, il est possible de dégager le propos suivant. En effet, cette expérience montre que le système immunitaire garde en mémoire les caractéristiques des déterminants antigéniques de l'anatoxine, des déterminants antigéniques qui sont inoffensifs et qui sont comparables à ceux de la toxine virulente et létale. Donc la propriété de la réponse immunitaire que l'on peut dégager à partir de cette expérience, c'est la mémoire immunitaire. Passons maintenant à la souris D. Une souris qui n'a jamais été atteinte par le tétanos, a fait l'objet d'une injection, comme ça a été le cas tout à l'heure, avec l'anatoxine tétanique. Cependant, au lieu de lui injecter de, euh, de la toxine tétanique, l'expérimentateur avait injecté de la toxine diphtérique à l'origine d'une autre maladie. Il s'ensuit une mort de l'animal. Comment expliquer la différence de résultats comparée à ce qui s'est passé chez la souris C En effet, dans ce cas-là, l'anatoxine tétanique ne protège pas la souris D contre une injection de toxine diphtérique. Donc vous avez deux substances élaborées par deux agents infectieux différents et euh, la réponse immunitaire qui se trouve mise en évidence est la spécificité. Si l'on s'intéresse maintenant au volet B de l'activité 1, un volet qui vise à mettre en évidence une autre propriété de l'immunité spécifique, partant de la souris C qui, comme vous le savez, a été immunisée contre la toxine tétanique. L'expérimentateur avait opéré à partir de son sérum qui a fait l'objet d'une injection chez une souris E. Une souris qui n'est pas immunisé contre le tétanos. Le même jour, l'expérimentateur procède à une deuxième injection contenant la toxine tétanique sous sa forme virulente. Fait intéressant, la souris E survit. Un tel résultat nous amène à se poser une question quant au degré d'importance ou bien quant à la composition ou quant aux acteurs que l'on peut retrouver au sein du sérum et qui sont à l'origine de la survie de la souris E. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que le sérum issu de la souris C, immunisée, confère à la souris E, non immunisée contre la toxine tétanique, une immunité. Donc il est possible de transférer l'immunité et ça va se faire par le biais du sérum. Sur ce, il s'agit d'une immunité acquise transférable par le sérum. Passons maintenant au volet C du document 3. En effet, l'expérimentateur avait réalisé une multitude d'expériences de greffe sur des souris. Il part d'une lignée A qui va participer à la greffe par le greffant qui sera transférée à une souris S2 d'une lignée différente. Nous sommes ici en présence d'une allogreffe, qui est une connaissance antérieure lors de l acquise lors de l'étude du soi et du non-soi. À l'issue de cette greffe, il s'ensuit euh, l'obtention d'un greffon nécrosé attestant d'un rejet. Et c'est ce qui nous amène à se poser la question suivante. Quels sont les acteurs du système immunitaire derrière ce rejet Pour en avoir le cœur net, l'expérimentateur va prélever le sérum de la souris S2 qui avait rejeté le greffant. Ce sérum sera transféré à une souris S3 de la même lignée, de la même lignée que S2, parallèlement au transfert de sérum. On assiste à un transfert de lymphocyte euh, à une souris S4, toujours de la même lignée que S2. Dans ce cas-là, nous sommes en présence d'un transfert de l'immunité, soit par sérum, soit par lymphocyte, et, si, et c'est ce qui justifie l'intitulé du document 3. À l'issue de ce transfert, l'expérimentateur opère comme suit. À partir de la souris S1 de départ qui a participé à la greffe euh, par le greffon, le greffon va être transféré à la souris S3 qui, je vous rappelle, renferme le sérum de la souris S2. Nos assistants, comme ça a été le cas tout à l'heure, un rejet, un rejet qui a eu lieu au bout de 12 jours post greffe. L'expérimentateur avait adopté la même démarche sur la souris S4 qui, je vous rappelle, renferme en son sein les lymphocytes de la souris S2. Il s'ensuit aussi un rejet. Mais fait intéressant, ce rejet est survenu le troisième jour. Donc nous sommes ici déjà en présence d'une précocité si l'on compare. Donc une précocité du rejet du greffon comparée à une immunité médiée par le sérum. Et, en fait, pour répondre à la question posée tout à l'heure, qu'en est-il des acteurs derrière le rejet, la précocité met en lumière que les premiers acteurs à intervenir dans le rejet sont les lymphocytes. Sur ce, le contenu scientifique est le suivant. Nous sommes en présence d'une transférabilité de l'immunité spécifique, et ça va se faire par le biais de lymphocytes, principaux acteurs du rejet du greffon. L'auteur nous demande par ailleurs d'opérer à partir des documents que nous venons d'étudier afin d'énumérer ou afin de passer en revue les propriétés de l'immunité spécifique. En effet, l'expérience réalisée chez la souris C nous a permis de mettre en évidence l'existence d'une mémoire immunitaire. Une telle propriété a été exploitée dans le développement d'une approche thérapeutique qu'est la vaccinothérapie. En effet, cette approche consiste à inoculer, à titre d'exemple, l'anatoxine, dont le déterminant est rendu inoffensif, mais tout en étant immunogène. Immunogène, le qualificatif signifie la stimulation ou la capacité à stimuler le système immunitaire afin de produire des acteurs dont nous ignorons l'identité jusqu'à maintenant. Donc, il s'ensuit, suite au premier contact, une réponse immunitaire. Qui va être euh, développé euh, au bout de six jours avec une intensité donnée. Mais qu'en est-il du comportement du système immunitaire lors d'une deuxième rencontre avec le même antigène, mais sous une forme virulente ou plus agressive En effet, vous remarquez déjà une différence concernant le jour de survenue de la réponse. De plus, vous avez ici une, une rapidité, une intensité. On parle ici d'une immunisation active. Passons maintenant à la euh, propriété de transférabilité qui peut se faire par le sérum. Et une telle propriété a été exploitée afin de développer une approche thérapeutique qu'est la sérothérapie. De quoi parle-t-on au juste En fait, cette approche euh, est basé sur le transfert de sérum d'un individu immunisé vers un individu qui ne l'est pas, conférant à ce dernier une protection passive et non durable. Et c'est ce qui nous incite à, ce, euh, à, à nous intéresser en fait aux acteurs sériques derrière cette, euh, ce, euh, ce transfert d'immunité. À la transférabilité par le sérum, nous assistons à une transférabilité par les lymphocytes. Je tiens à vous rappeler que les lymphocytes font partie intégrante des globules blancs et comme ça a été évoqué tout à l'heure, euh, ces cellules immunitaires sont les principaux acteurs de la réaction de rejet, mais il faut noter même qu'au sein des lymphocytes, on retrouve une multitude de lignées. Et c'est ce qui nous incite à se poser la question en rapport avec la lignée de lymphocyte, la lignée spécifique derrière le rejet. Passons maintenant à l'activité 2, aux pages 287 et 288. En effet, un sujet affecté par le tétanos, n'ayant pas fait l'objet d'une vaccination, se trouve dépourvu de moyens de défense spécifiques anti-tétaniques. Il est à noter que la guérison de cet individu pourrait être assurée par un transfert de sérum. Et c'est ce qui nous incite à se poser la question en rapport avec les acteurs que l'on peut retrouver au sein du sérum et qui sont à l'origine de cette guérison. Fait intéressant. Cette sérothérapie ne peut en aucun cas protéger ou bien conférer une immunité à un sujet affecté par la tuberculose. Comment expliquer cette divergence Pour y parvenir, on va euh, se focaliser on va s'intéresser plutôt à l'étude d'expérience axée sur le transfert de sérum et de lymphocytes depuis des souris immunisées vers des souris qu'il ne le sent pas. Et c'est ce qui nous amène vers l'expérience 1 du document 4 de la page 287. L'expérimentateur avait opéré à partir d'un cobaye A, immunisé contre la diphtérie. Le même cobaye a fait l'objet d'une injection euh, contenant de la toxine diphtérique. Il s'ensuit une survie de l'animal. À partir du cobaye A immunisé, il va y avoir un transfert de sérum vers le cobaye B, non immunisé contre la diphtérie. Et à ce transfert de sérum s'ajoute une injection de toxines diphtériques. Fait intéressant, nous remarquons ici une survie de l'animal. Mais qu'en est-il du transfert de lymphocytes depuis le A vers le cobaye B? C. A ce transfert, en fait, s'ajoute, comme ça a été le cas tout à l'heure, une injection de toxine diphtérique. Mais n'oubliez pas que le cobaye C est non immunisé contre la diphtérie. A ce transfert de lymphocytes, s'ajoute une injection de toxine diphtérique et il s'ensuit une mort de l'animal. Pour ce qui est de l'expérience 2 de, de la même page, l'expérimentateur va adopter la même démarche, mais tout en s'intéressant à une autre pathologie qu'est la tuberculose. En effet, il va opérer à partir d'un cobaye B immunisé contre la tuberculose. Comme ça a été le cas tout à l'heure, le cobaye D fera l'objet d'une injection par le bacille de Koch. Et il s'ensuit une survie de l'animal. Par la suite, on va assister à un transfert de sérum à un cobaye E non immunisé contre la tuberculose et à cette injection s'additionne celle du bacille de, de Koch. Il s'ensuit la mort de l'animal. Qu'en est-il de la conséquence du transfert de lymphocyte vivant au cobaye F qui, je vous informe, est non immunisé? À ce transfert s'ajoute une injection du bacille de coque et il s'ensuit une survie de l'animal. Que nous demande l'activité Dans ce qui suit, on va adopter une analyse comparée et pour y parvenir, reproduisez le tableau à visée comparative ci-dessus. En effet, nous nous sommes intéressés à trois paramètres. Le premier en rapport avec l'effet de l'injection de l'antigène virulent et létal aux cobayes immunisés et ce contre la diphtérie mais aussi contre la tuberculose. Le deuxième paramètre consiste à évaluer l'effet du transfert de l'immunité spécifique par le sérum à des cobayes non immunisés pour chacune des deux pathologies, ainsi que l'effet du transfert de l'immunité de lymphocyte à des sujets non immunisés et ce pour les deux. Pathologie, on parle de diphtérie et de tuberculose. Commençons par étudier ces paramètres dans le cadre de la diphtérie. En effet, vous remarquez ici une survie d'un animal, mais n'oubliez pas qu'il est immunisé. Ce que l'on peut dégager, c'est que la survie du cobaye A à la toxine diphtérique, étant donné qu'il soit immunisé contre euh, le même antigène virulent et létal. Qu'en est-il du deuxième paramètre Vous remarquez ici que le transfert de sérum était capable d'assurer la survie de l'animal. C'est que forcément, au sein de ce liquide physiologique, on retrouve les acteurs derrière. Qui, qui, qui sont à l'origine de cette immunité. En effet, le transfert de sérum du cobaye A au cobaye B non immunisé permet de lui apporter des moyens de défense spécifiques, non diphtériques, assurant par conséquent sa survie. Passons maintenant à la conséquence d'un transfert de lymphocytes. Les lymphocytes sont incapables d'assurer une protection et la preuve vous avez ici une mort de l'animal. Dans le cas de la diphtérie, le transfert de lymphocyte du cobaye A vers le cobaye C ne permet pas de protéger ce dernier et de lui épargner la mort. On va adopter la même approche que tout à l'heure, mais pour la tuberculose. Qu'en est-il de l'effet de l'injection de l'antigène virulent et létal Vous remarquez ici une survie, sachant que l'animal D est immunisé. Donc, le contenu scientifique est le suivant. Survie du cobaye B à l'agent infectieux, virulent et létal, causant, euh, causant la tuberculose, étant donné sans immunisation. Il est à noter que le transfert de sérum n'a pas protégé l'animal contre, euh, euh, contre l'antigène virulent. Donc, le transfert de sérum du cobaye D au cobaye E non immunisé n'assure en aucun cas sa protection. Fait intéressant avec les lymphocytes, avec la transférabilité de l'immunité spécifique par les lymphocytes, nous assistons à une survie de l'animal. Dans ce cas, le transfert de lymphocytes était en mesure de le protéger. Passons à la deuxième consigne. L'auteur nous demande d'identifier les effecteurs ou bien les acteurs de chaque réponse immunitaire pour vous aider je vous propose de vous intéresser aux situations où l'on a un transfert soit par sérum soit par lymphocyte un transfert qui s'est accompagné par une survie de l'animal donc dans le cas de la euh, diphtérie vous avez ici une survie de l'animal dans un contexte où l'on a une transférabilité par le sérum dans ce cas les effecteurs de l'immunité spécifiques antidiphtériques sont bel et bien des facteurs sériques. Pour ce qui est de l'expérience 2, vous remarquez une survie dans un contexte où l'on a une transférabilité par les lymphocytes, ces derniers sont à l'origine de l'immunité antibacille de Koch. La question suivante s'intéresse à justifier les expressions suivantes. Nous sommes ici en présence de nouvelles euh, expressions qui sont exigibles par votre programme officiel. On parle ici de réponse immunitaire à médiation humorale, dont les initiales sont RIM H, et une réponse immunitaire à médiation cellulaire rime C. Je tiens à vous informer que le terme humoral se rapporte au liquide physiologique du milieu, euh, du milieu intérieur. On parle ici à titre d'exemple de sérum. Donc sur la base de cet indice, vous serez en mesure d'attribuer à chaque expérience le type de réponse immunitaire qui a été mobilisée. Donc pour l'expérience 1, le type de réponse immunitaire, une immunité assurée par le sérum, on parle ici d'une réponse immunitaire à médiation humorale et par conséquent, le type de réponse... Euh, immunitaire mobilisé afin de contrer le bacille de, de coq est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Revenons sur la rime H, dans les acteurs sans sérique, Mais nous ignorons jusqu'à maintenant leur nature. Pour répondre à cette question, je vous propose de consulter le document 5 de la page 280. 9, en rapport avec les déterminations des caractéristiques de l'effecteur de rime H. En effet, l'expérimentateur avait opéré à partir d'un sérum prélevé sur un cobaye A et ont reçu 15 jours auparavant une injection d'anatoxine diphtérique. Normalement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait présence au sein de ce sérum d'acteurs. D'acteurs qui sont en mesure de conférer une immunité s'ils seront euh, transférés à un autre cobaye non immunisé. Donc, avant de s'intéresser de plus près aux expériences, consultons la consigne. En effet, l'auteur nous demande, à partir de l'analyse de, des résultats illustrés par le document 5, de préciser la nature de l'effecteur de la rime H et commençons par la première approche. En effet, le sérum contenant les effecteurs sériques dont nous ignorons la nature jusqu'à maintenant a été transféré à un cobaye G non immunisé et cette injection est conjuguée à celle de la toxine diphtérique. Il s'ensuit une survie de l'animal. Donc ce que l'on peut dégager de cette expérience c'est que les facteurs antidiphtériques du cobaye A, transférables au cobaye G non immunisé, sont à l'origine de sa protection et par conséquent de sa survie. Passons maintenant à la deuxième approche. La particularité de cette dernière, c'est que suite au prélèvement du sérum, il fera l'objet d'un passage à travers une colonne, au sein de laquelle on va retrouver des antigènes qu'est l'anatoxine diphtérique mais fixés sur des particules de poutre mimant ainsi, euh, ainsi l'antigène et ses déterminants antigéniques. à l'issue du passage à travers la colonne l'expérimentateur avait obtenu un euh, filtra et en fait c'est ce dernier qui va être injecté à un cobaye H non immunisé, parallèlement à cette injection, on assiste à euh, l'inoculation euh, par l'anatoxine diphtérique et il s'ensuit une mort de l'animal. Une mort qui est due à un événement qui a eu lieu au sein de la colonne. Que s'est-il passé En effet, la présence de l'antigène immunogène qu'est l'anatoxine diphtérique, les effecteurs de la rime H contenus dans le sérum ne se retrouvent pas dans le filtrat transféré au cobaye H non immunisé et inoculé par la toxine diphtérique. Il s'ensuit la mort de l'animal. Et ce que l'on peut dégager, c'est que les effecteurs de la rime H sont capables de reconnaître et d'agglutiner spécifiquement des déterminants antigéniques. De l'anatoxine tétanique qui se retrouvait, euh, qui était en mesure d'enrober les particules de poudre situées au niveau de la colonne. Pour ce qui est de la troisième approche, et comme ça a été évoqué tout à l'heure, le sérum du sujet immunisé sera euh, acheminé au sein d'une colonne, mais dans ce cas-là, la colonne se trouve dépourvue d'antigènes. Il y a des particules de poudre sans, euh, sans anatoxine diphtérique. Et le filtrat obtenu fera l'objet d'un transfert au cobaye I, non immunisé, et à cette injection s'ajoute celle de la toxine diphtérique. Fait intéressant, nous remarquons ici une survie de l'animal et ce, du fait de l'absence de l'anatoxine au niveau de la colonne, les effecteurs de l'arime H se retrouvent dans le filtre A, qui va être inoculé au cobaye I, traité par l'anatoxine diphtérique, conférant à ce dernier une immunité. Donc ce que l'on peut dégager, c'est que les effecteurs de l'arime H nécessitent pour leur fonctionnement la présence d'antigènes. À l'issue de l'analyse de ces résultats, l'auteur nous demande de préciser la nature des effecteurs de la rime H, qui sont des effecteurs sériques ou bien des acteurs sériques. Donc, revenons sur l'anatoxine diphtérique, dotée de déterminants antigéniques immunogènes sans pour autant être pathogène. On parle ici d'un premier contact avec l'antigène. Ce dernier est reconnu par le système immunitaire qui va produire des effecteurs de la rime H, dont la structure est similaire aux, euh, aux agglutinines étudiées lors du soi et du non-soi, comme les agglutinines, les agglutinines ou bien les, les antidées euh, lors, lors de l'étude du système Rhesus. Une fois le premier contact achevé. Lors d'un deuxième contact avec le même antigène, mais sous une forme virulente, dotée de déterminants antigéniques létals, venant s'ajouter aux déterminants antigéniques immunogènes et non pathogènes, il se produit une reconnaissance euh, de cet antigène par les effecteurs de la rime H, qui ne sont autres en fait que des anticorps. Donc, ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant, c'est que les effecteurs à l'origine de la rime H de nature sérique ne sont autres que des anticorps. Une fois les acteurs de la rime H identifiés, passons maintenant à l'étude des acteurs cellulaires de la rime C. En effet, les lymphocytes du cobaye B immunisés contre le bacille de Koch sont les médiateurs de l'immunité spécifique anti-tuberculose. Euh, Et en fait, les lymphocytes symbolisent ici ce qu'on appelle la rime C. Pour pouvoir identifier ces acteurs, on, va, euh, on se propose d'étudier le document 6, dont l'intitulé est le suivant, Évolution du nombre de lymphocytes en fonction de l'état de l'organisme. En effet, lors d'une infection, vous remarquez ici une augmentation comparée euh, à un état de guérison, une euh, augmentation considérable du nombre de leucocytes, qui, je vous rappelle, ne sont autres que des globules blancs. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, au sein de ces leucocytes, on va retrouver les lymphocytes. Les lymphocytes dont la propriété de transférabilité a été évoquée tout à l'heure. Donc, dans ce qui suit, on va se focaliser sur les leucocytes. Lorsque ce dernier est transféré à une souris souffrant d'un déficit immunitaire, l'immunité se trouve rétablie. Il est à noter qu'au sein des globules blancs ou bien qu'au sein des leucocytes, on note la présence de monocytes, de lymphocytes, de granulocytes et tout un panel de globules blancs. Mais l'objectif de la séance consiste à se focaliser sur les lymphocytes. Et c'est ce qui nous amène vers le paragraphe visant l'étude des lieux et la manière selon laquelle se forment les cellules immunitaires. Commençons par étudier les lieux de formation des cellules de l'immunité. Pour y parvenir, traitons ensemble l'activité 5 de la page 281. En effet, nous sommes ici en présence d'une moelle osseuse qui, lorsqu'elle est sujette à une anomalie, nous assistons à une diminution drastique du nombre de lymphocytes, qui, je vous rappelle, sont les effecteurs ou bien les acteurs de la rime C. À cette altération s'ajoute une diminution considérable de la teneur des anticorps effecteurs de la rime H. Que nous demande l'auteur En effet, le travail demandé consiste à formuler une hypothèse concernant le rôle de la moelle osseuse dans l'immunité spécifique. Étant donné l'anomalie de moelle et les conséquences issues, les conséquences à l'origine de cette altération, il est possible de, de formuler l'hypothèse suivante. La moelle osseuse pourrait être le lieu de formation des acteurs de l'immunité spécifique. Et je tiens à vous informer que dans ce qui suit le fait d'évoquer immunité spécifique, cela suppose ou cela sous-entend rime H et rime C, réponse à médiation cellulaire et réponse à médiation humorale. Afin de vérifier le degré de validité de l'hypothèse émise, on se propose d'exploiter... Trois expériences figurant au document, 4, euh, au document 9 de la page 291 et dont l'intitulé est le suivant Mise en évidence du rôle de la moelle osseuse. Commençons par l'expérience 1. En effet, nous avons ici un animal souffrant d'un déficit immunitaire congénital avec lequel il naît. Qu'en est-il de ces répercussions sur une multitude de facteurs dont je cite le nombre des hématies et des leucocytes, on parle ici de nombre, du nombre de cellules sanguines. Au sein de la catégorie de leucocytes, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on retrouve les lymphocytes, qui sont les acteurs de l'immunité cellulaire. Et mis à part l'immunité cellulaire, vous avez ici le, le paramètre qui est l'immunité humorale. Avant de s'intéresser de plus près à l'étude des, des, des résultats, L'expérimentateur nous demande de les analyser. Ce déficit s'accompagne par une baisse drastique du nombre des hématies et des leucocytes, dont font partie les lymphocytes. Il s'ensuit une altération du déroulé et de la réponse immunitaire et de l'immunité humorale et de l'immunité cellulaire. Ce que l'on peut dégager de cette expérience, c'est qu'en qu cas de déficit immunitaire, la production de cellules sanguines dans les lymphocytes est faible, affectant ainsi leur numération, et c'est ce qui affaiblit le déroulé de la réponse immunitaire spécifique. Passons maintenant à la deuxième expérience. En effet, l'expérimentateur a eu recours à une irradiation de la moelle osseuse, se trouvant ainsi détruite. Il s'ensuit une... Diminution considérable du nombre de cellules sanguines et par conséquent de la production des lymphocytes qui s'annulent en fait. Et sans ces lymphocytes, euh, la réponse immunitaire humorale se trouve entravée, de même pour l'immunité euh, cellulaire. Donc l'irradiation vient perturber l'homéostasie de la moelle osseuse. Et ce que l'on peut dégager, c'est que l'irradiation de la moelle osseuse annule la formation des cellules immunitaires dans les lymphocytes, principaux acteurs de la rime C, entravant ainsi le déroulé de la réponse immunitaire spécifique avec ces deux composantes. Pour ce qui est de l'expérience 3, nous sommes ici en présence d'une greffe de moelle. Une greffe... Dans le but de remédier aux troubles observés lors de l'irradiation. En effet, avec cette greffe, nous retrouvons une production normale des lymphocytes qui a été facilitée par une production, un retour progressif au nombre normal des cellules sanguines. Il s'ensuit un rétablissement de la rime H, mais aussi de la rime C. En fait, cette expérience met en évidence le degré d'importance de la moelle dans la production et dans le déroulé de la réponse immunitaire. En effet, cette greffe vient de rétablir l'homéostasie affectée lors de euh, l'irradiation. Et ce que l'on peut dégager, c'est que la greffe de moelle osseuse à des animaux dont la moelle a fait l'objet d'une irradiation corrige toutes les anomalies causées par l'irradiation. À l'issue de l'analyse des trois expériences, l'expérimentateur nous demande de tirer des conclusions. Nous sommes partis, je vous rappelle que nous sommes partis d'un euh, déficit immunitaire, d'une irradiation suivi d'une greffe, et tout est axé sur le degré d'importance de la moelle dans le déroulé de la réponse immunitaire spécifique. La déduction est la suivante. Les expériences d'irradiation et de greffe de moelle osseuse à des spécimens dont la moelle osseuse a fait l'objet d'une irradiation montrent que les cellules impliquées dans l'immunité spécifique prennent naissance au niveau de la moelle osseuse. Cette déduction vient de confirmer l'hypothèse émise précédemment. Une fois la moelle osseuse impliquée dans... La euh, formation des cellules immunitaires, on se propose d'étudier de plus près la manière selon laquelle se forment ces cellules. En effet, tout commence au niveau de la cellule souche hématopoétique. De quoi parle-t-on juste En effet, ces cellules sont dotées d'une capacité de multiplication et d'une capacité de différenciation. De telles capacités ont permis de leur attribuer le qualificatif de tout -hypotence. Ces cellules sont capables de générer une multitude de cellules sanguines, parmi lesquelles les globules blancs. Et au sein de cette catégorie, je vous rappelle qu'il existe les lymphocytes. Une fois formés au sein de la moelle osseuse, rouge, ces lymphocytes s'engagent dans un processus de maturation. Un processus dont nous ignorons les lieux, le ou les lieux ainsi que la manière selon laquelle il va y avoir acquisition de cette maturation. Raison pour laquelle on va s'attaquer au volet relatif aux maturations des cellules euh, de l'immunité spécifique, tout en euh, s'intéressant à l'activité 6 de la page 292. L'auteur nous présente ici l'emplacement anatomique d'un organe qui nous est méconnu. Il s'agit ici du thymus. À ce doc s'ajoute le document 11. Nous sommes ici en présence d'une souris nude qui a la particularité euh, d'être dépourvue de thymus. Qu'en est-il des répercussions de l'absence de cet organe En effet, les souris nudes se caractérisent par une vulnérabilité vis-à-vis des -vis infections, à laquelle s'ajoute une tolérance des greffes, même des greffes de type xéno. Vous avez ici le greffon issu d'une peau de rat qui a pu se développer, donc aucun rejet notable. Que nous demande l'auteur En tenant compte de ces constatations, et sachant que le rejet de greffe, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le rejet de greffe mobilise des acteurs cellulaires, sur ce, on parle d'une rime C. En combinant toutes ces données, on se propose de formuler une hypothèse concernant le rôle du thymus dans le déroulé de l'immunité spécifique. L'hypothèse à formuler est la suivante. Le thymus pourrait être le siège anatomique de la maturation des effecteurs. De la rime C. Afin de vérifier la validité de l'hypothèse émise, on se propose d'étudier le document 13, dont l'intitulé est le suivant document 13 de la page 292, s'intéressant au lieu de maturation des lymphocytes. Mais avant de s'intéresser aux expériences, l'auteur nous demande d'analyser les expériences afin de déduire et le rôle de la moelle et le rôle du thymus commençant par la première expérience. En effet, l'expérimentateur avait opéré à partir d'une souris qui a fait l'objet d'une irradiation, une irradiation de sa moelle osseuse. Donc pour ce qui est de cette partie de l'expérience, on n'a plus de moelle. Cette même souris a fait l'objet d'une thymectomie, supprimant, supprimant ainsi le deuxième organe, qui est le thymus. Mais pour remédier à l'irradiation de la moelle, l'expérimentateur avait réalisé une greffe. Donc cette expérience va souligner le rôle du thymus dans euh, le déroulé euh, de la réponse immunitaire spécifique et dans la euh, production de lymphocytes. En effet, vous avez en l'absence de thymus, une production normale de lymphocytes, écartant cet organe de la production de lymphocytes. Étant donné que nous sommes en présence d'une production normale, l'immunité cellulaire se trouve absente. Une absence qui pourrait être due à l'absence du thymus. Un propos qui reste à, euh, à vérifier. Fait intéressant, vous avez ici... Euh, un déroulé ou bien un déroulement de l'immunité humorale, mais selon une faible intensité. Ce que l'on peut dégager de cette expérience, c'est que la moelle osseuse est le siège de la formation de lymphocytes, ainsi que des effecteurs de la rime H. Par ailleurs, le thymus n'est pas impliqué dans la formation, mais... Il est considéré comme étant un organe nécessaire au déroulé de la rime C. Passons maintenant à la deuxième expérience, tout en adoptant la même démarche que tout à l'heure avec quelques différences. Irradiation de la moelle, thymectomie. Mais l'expérimentateur ici va remédier à la thymectomie en procédant à une greffe de thymus. Donc, le raisonnement va se faire par rapport à une absence de moelle et ses conséquences sur l'état de l'immunité en s'intéressant aux paramètres évoqués tout à l'heure. Vous remarquez ici que sans la moelle, pas de production de lymphocytes. Venant renforcer le propos de tout à l'heure, c'est que la moelle osseuse est le siège de, euh, de formation de lymphocytes. Sans ces lymphocytes, pas de rime H, pas de rime C. Et ce que l'on peut dégager de cette expérience, c'est que la moelle osseuse est le siège exclusif de la formation des lymphocytes. Pour ce qui est de la troisième expérience, l'expérimentateur va essayer de remédier en même temps aux troubles associés à une irradiation de la moelle et à une thymectomie, procédant à une greffe de moelle et une greffe de thymus. Vous remarquez ici que l'état de l'immunité s'améliore et on va retrouver une homéostasie concernant la production de lymphocytes, du déroulé de l'immunité humorale et de l'immunité cellulaire. C'est ce qui souligne le degré d'importance des deux organes dans le déroulé de la réponse immunitaire spécifique. Sur ce, le contenu scientifique est le suivant. Le banc déroulé des réponses immunitaires à médiation cellulaire et humorale nécessite le concours de deux organes ne souffrant d'aucune lésion notable, et ce, aussi bien pour la moelle osseuse que pour le thymus. En quoi consiste la maturation En effet, tout commence par une cellule souche de la lignée lymphoïde, autrement dit à l'origine des lymphocytes située au niveau de la moelle osseuse. En effet, cette cellule va donner dans un premier temps des lymphocytes pré-B et des lymphocytes pré-T. Je tiens à signaler que la euh, nomination en fait, des euh, lymphocytes est liée au lieu de leur maturation, c'est-à-dire au niveau des organes où l'on va assister à une acquisition de l'immunocompétence. De quoi parle-t-on juste lorsqu'on évoque immunocompétence C'est la capacité des cellules à s'engager dans des réponses immunitaires afin de neutraliser l'antigène et c'est la finalité de l'immunité en fait. Donc, vous remarquez ici que les lymphocytes euh, qui euh, acquièrent en fait leur euh, immunocompétence au sein de la moelle osseuse sont dit des lymphocytes B. L'initiale B du terme anglais bone marrow. Bone marrow, ça signifie la moelle osseuse. Donc, pour ce qui est des lymphocytes qui vont acquérir leur immunocompétence au sein du thymus, on parle de lymphocyte T. Mais je tiens à signaler que ces lymphocytes, les lymphocytes pré-T obtenus au niveau de la moelle sont capables de migrer au sein du thymus où va se faire le processus de l'acquisition de l'immunocompétence. Compétences. Commençons par étudier l'acquisition de l'immunocompétence pour les lymphocytes T. Donc, nous sommes ici en présence du thymus. Et en opérant à partir d'un lymphocyte T immunocompétent, vous savez que. Euh, comme toute cellule immunitaire, il y a les deux euh, marqueurs tissulaires HLA de classe 1 et HLA de classe 2. Mais à ces marqueurs tissulaires s'ajoute euh, un marqueur membranaire qui est une nouveauté, symbolisé par les initiales TCR, dont les initiales en anglais signifient T-Cell Receptor. Donc vous avez ici des récepteurs qui sont ancrés au niveau du lymphocyte T. Doté d'une région constante et d'une région variable, capable de fixer l'antigène. Et vous avez les illustrations qui figurent sur la diapositive, sur votre manuel scolaire, à la page 293. Fait intéressant, le lymphocyte T immunocompétent est capable de générer deux sous-populations. Une telle diversification, est basé sur l'apparition d'un nouveau marqueur venant s'ajouter au TCR. Donc vous avez ici l'apparition d'un CD4. De quoi parle-t-on juste lorsqu'on évoque euh, CD4 Les initiales signifient en anglais Cluster of Differentiation. Donc vous avez ici le CD4 qui va être à l'origine du LT4. Par ailleurs, vous avez un deuxième, euh, un deuxième bouquet de différenciation, ou bien un CD, dit CD8, à l'origine d'une deuxième sous-population lymphocytaire qu'est le LT8. Et en fait, ces clusters sont dits, comme ça a été évoqué tout à l'heure, des bouquets de différenciation à l'origine de euh, sous-populations de lymphocytes T. Qu'en est-il du devenir des sous-populations de lymphocytes T En effet, le macrophage est capable, en tant que cellule phagocytaire, est capable d'activer euh, un lymphocyte, un LT4, un lymphocyte T4, qui se différencie en LT-helper. Ce dernier... Est capable d'activer un LT8 qui va se différencier en lymphocyte T cytotoxique doté de vésicules dont le contenu et le rôle de leur contenu sera étudié lors d'une ultérieure séquence d'apprentissage. Intéressons-nous maintenant au rôle du TCR. Comme vous le savez, toute cellule immunitaire est euh, dotée de deux marqueurs tissulaires, HLA1 et HLA2. Et la particularité des LT, c'est la présence en fait du TCR. Ce TCR est capable de reconnaître le déterminant antigénique exposé à la surface d'une cellule cible du en soi euh, modifiée ou bien exogène. Et en fait, il s'ensuit plusieurs étapes qui vont illustrer, qui vont expliquer plutôt le rôle du TCR. En effet, ce récepteur spécifique des LT établit dans un premier temps un contact avec la molécule HLA1. Il s'ensuit une reconnaissance du déterminant antigénique exposé à la surface de la molécule HLA1. Et en fait, cette reconnaissance est facilitée par l'exposition du déterminant antigénique par la molécule HLA. Mais ce qu'il faut retenir des deux étapes 1 et 2, nous sommes en présence de ce qu'on appelle une double reconnaissance, ce qui symbolise le rôle du TCR. Passons maintenant à euh, l'explication de la maturation des lymphocytes B. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est lymphocytes B. Prennent naissance au niveau de la moelle osseuse. Mais intéressons-nous à l'acquisition ou bien à la manière selon laquelle va s'acquérir l'immunocompétence. En effet, vous avez ici un lymphocyte B immunocompétent doté de molécules HLA1 et HLA2, mais à ces marqueurs tissulaires s'ajoute un récepteur qui est une nouveauté. On parle ici du BCR. Les initiales signifient en anglais B cell receptor, et en fait, ce récepteur est capable de reconnaître l'agent infectieux. Donc, en présence d'antigènes, c'est la partie terminale du BCR qui va le fixer et ce d'une manière spécifique. Donc, le BCR ressemble en termes de structure et de composition au anticorps évoqués précédemment, on parle ici d'anticorps circulants qui ont la même capacité que le, B, le BCR, celle de, de reconnaître et de fixer les, les antigènes. Et l'illustration figure à la page 295. Donc la diversité que connaissent les déterminants antigéniques ou épitopes exprimés à la surface des antigènes, une telle diversité est reconnue par le système immunitaire qui répond par la production de toute une multitude d'anticorps. Dans la région variable, diffère quelque peu, mais pour chaque déterminant antigénique, on a un anticorps dans la région euh, variable et capable de s'emboîter parfaitement, parfaitement avec le déterminant en... Antigénique. Et ce, comme le montre l'illustration suivante. Donc, la propriété de la réponse immunitaire venant s'ajouter aux propriétés identifiées tout à l'heure est celle de la diversité vis-à-vis euh, -vis des déterminants antigéniques. Donc, ce que l'on peut dégager de cette diapositive, c'est que la capacité du système immunitaire à reconnaître et réagir à tous les déterminants antigéniques possibles, tout en, produisant pour chaque anti euh, tout en produisant pour chacun un anticorps qui lui est spécifique. Mais si l'on zoome sur le BCR, ou bien sur l'anticorps, on s'aperçoit qu'il existe des éléments qui nous semblent méconnus. C'est ce qui nous incite à étudier sa structure caractéristique. Et la réponse à cette question, en fait figure à la page 296 au niveau du document 23. Vous avez ici un code de couleur, et ce code de couleur, en fait, est en rapport avec des chaînes protidiques qui sont identiques deux à deux. L la seule différence notable entre ces, euh, ces chaînes, c'est leur poids moléculaire, ou bien leur masse moléculaire. Et en fait, vous avez ici deux chaînes légères, symbolisées par la lettre L en anglais on parle de light, et de chaîne lourde, symbolisée par la lettre H, on parle ici de l'adjectif heavy. Donc, euh, initié au, aux chaînes composant l'anticorps, on va passer, on va accéder à un niveau plus détaillé, à une échelle plus détaillée. Sur ce, on va étudier le document 24 de la page 296, dont l'intitulé est le suivant. Schéma détaillant la structure de l'anticorps. L'auteur nous demande d'annoter de, plutôt les éléments numérotés de 1 à 8. N'oubliez pas que les deux chaînes lourdes sont reliées entre elles par des pans sulfures. De même, les chaînes légères sont reliées aux chaînes lourdes par des pans dits sulfures. Et commençons par. Euh, par annoter le document. N'oubliez pas déjà que la partie variable est spécialisée dans la reconnaissance de l'antigène et que la partie où l'on a l'élément 8 est destinée à se fixer sur la cellule effectrice. Donc vous avez ici deux indices censés vous aider à annoter le document. Donc le 1, c'est le site anticorps ou bien le site de fixation spécifique d'un antigène. Pour ce qui est de l'élément 2, on parle d'une partie variable symbolisée par la couleur foncée. À cette partie variable s'ajoute une partie légère. 2 et 3 sont les éléments constitutifs d'une chaîne légère. Le même principe s'applique à la chaîne lourde. En effet, vous avez ici la partie Variable de la chaîne lourde, la partie constante qui se termine par le site de fixation au niveau de la cellule effectrice. Revenons à la légende. 5 parties variables de la chaîne lourde, 6 parties constantes de la chaîne lourde, 7 c'est la chaîne lourde et 8 c'est le site de fixation de l'anticorps sur une cellule ou bien un site effecteur. Nous sommes en présence d'une structure différenciée de l'anticorps. Est-elle en adéquation avec la réalisation de ses fonctions Et c'est ce qui nous amène à étudier les fonctions des anticorps. Pour y parvenir, consultons le document 22 de la page 296. En effet, tout commence par l'inoculation de l'anatoxine tétanique à un lapin. Au bout de 15 jours, normalement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait obtention au niveau du sérum d'anticorps anti-anatoxine tétanique. On parle des effecteurs sériques, les effecteurs de la rime H. Donc, nous, on parle ici de connaissances acquises. Donc, à l'issue de l'obtention de sérum, l'expérimentateur avait ajouté de la toxine tétanique, est l'antigène sous sa forme virulente. Il s'ensuit l'obtention d'un précipité dont la signification sera euh, expliquée tout à l'heure. Mais euh, intéressons-nous maintenant au résultat en fait qui va accompagner l'inoculation de ce sérum contenant de la toxine tétanique au lapin L2, qui n'est pas immunisé contre le tétanos. Vous remarquez ici qu'aucun signe notable de la maladie. Mais comment expliquer ce résultat Et en fait, c'est le travail demandé. Donc l'auteur nous demande d'expliquer la raison pour laquelle la maladie ne s'est pas manifestée chez le lapin L2. En effet, le sérum inoculé contient des anticorps dans la région variable, ce qui, est, ce qui constitue la nouveauté, une région variable de l'anticorps qui avait reconnu d'une manière spécifique les déterminants antigéniques de la toxine. Cette dernière a fait l'objet d'une neutralisation, une neutralisation qui va expliquer dans ce qui suit l'obtention du précipité au fond du tube A et C, expliquant l'absence de la survenue de la maladie chez le lapin L2. Revenons maintenant à l'explication du précipité. En effet, au fond de tube on va retrouver l'aspect suivant. Des anticorps dont la région variable est spécifique à la toxine, et vous avez l'ajout de l'antigène qu'est la toxine virulente. En effet, la région variable de ces anticorps était en mesure de reconnaître et de neutraliser la toxine tétanique, étant donné une immunisation au préalable du lapin l un tel aspect est caractéristique de ce qu'on appelle un complexe humain, dont le rôle dans le déroulé de la réponse spécifique sera étudié lors de la prochaine séance. Passons maintenant à l'étude du document 25 de la page 297 en rapport avec les organes lymphoïdes. Nous nous sommes initiés déjà à deux organes qui sont moelle osseuse et thymus. Tous les deux sont regroupés ou bien font partie des organes lymphoïdes primaires au sein desquels nous assistons pour ce qui est de la moelle osseuse à une acquisition de l'immunocompétence des LB, mais pour ce qui est des lymphocytes T, cette immunocompétence va être acquise au sein du... Thymus. Donc, nous sommes ici en présence de deux lymphocytes immunocompétents et c'est ce qui nous incite à se poser la question en rapport avec leur devenir. Passons maintenant à une deuxième composante de ce document. En effet, mis à part les organes lymphoïdes primaires, il existe des organes lymphoïdes secondaires regroupant les ganglions euh, répartis à différents endroits, à des endroits stratégiques de notre corps. Et à ces ganglions s'ajoute la rate. Donc, cette nouvelle donnée nous incite aussi à poser une question qui est, qui est la suivante. Les organes lymphoïdes secondaires que nous venons de citer participent-ils au devenir des lymphocytes immunocompétents Pour apporter des éléments de réponse à cette question, on restera euh, sur le document euh, 25 en s'intéressant. Au paragraphe A, euh, ayant pour intitulé Évolution du nombre des lymphocytes en vue de déterminer le parcours des lymphocytes B. Et cette évolution de la numération des lymphocytes va se faire au sein de l'organe lymphoïde secondaire qui est la rate. Donc vous avez ici l'expérience. En effet, l'expérimentateur avait injecté des globules rouges de mouton à une souris. Et il va s'intéresser aux, euh, aux modifications qui vont avoir lieu au sein de la rate. Il remarque déjà dans un premier temps la présence de lymphocytes B, qui, comme vous le savez, ces lymphocytes se retrouvent initialement au niveau de la moelle osseuse. Donc, il a procédé à une première injection suivie d'une deuxième, et vous remarquez déjà une différence quant à la numération des lymphocytes B, une numération qui va être expliquée tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dégager déjà dans un premier temps, c'est que la présence de lymphocytes B dans la rate prouve qu'ils ont fait l'objet d'une migration depuis la moelle vers les organes lymphoïdes. On parle ici de la rate. La première injection s'est accompagnée par... Euh, une stimulation des lymphocytes. En fait, cet antigène avait mobilisé les lymphocytes B qui se sont mis à se multiplier au fur et à mesure que l'on avance dans la réponse immunitaire. Et ce, lors du premier contact. Mais qu'en est-il de l'intensité de cette euh, réponse immunitaire lors d'une deuxième injection avec le même antigène vous remarquez ici qu'il y a eu ce qu'on appelle une amplification de la réponse immunitaire, une amplification par rapport au nombre de lymphocytes mobilisés lors de la réponse. Récapitulant, vous avez ici un lymphocyte B immunocompétent au sein de la moelle osseuse qui était en mesure de migrer vers un organe lymphoïde secondaire qui est la rate au sein de laquelle il a fait l'objet d'un stockage et en fait, ce lymphocyte B au sein de cet organe va accomplir une multitude de tâches, dont nos citons une surveillance permanente, une capacité à intercepter et à repérer les antigènes. Et ce lymphocyte B était en mesure de, euh, de générer lors d'un deuxième contact avec le même antigène, une réponse immunitaire amplifiée. Si l'on passe maintenant au paragraphe B de la même page, mais au lieu de s'intéresser à la rate, on va s'intéresser à un autre organe lymphoïde secondaire qui est les ganglions. L'expérimentateur s'est intéressé dans ce contexte à l'évolution de la taille des ganglions lymphatiques lors d'une réaction immunitaire en réponse à un greffon histo-incompatible qui a été placé au niveau du cou. Et c'est ce qui va solliciter en fait les ganglions. Cervicaux. Donc, on va s'intéresser ici à l'évolution de l'aspect des ganglions cervicaux du troisième vers le septième jour. En effet, la présence, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez au niveau des lobes des ganglions, vous avez la présence de cellules immunitaires. Or, vous savez que ces cellules sont formées. Au niveau de la moelle, dont certains vont acquérir leur immunocompétence au sein de, du thymus. Comment expliquer leur présence au sein du ganglion Forcément, ces cellules ont fait l'objet d'une migration. Donc, les cellules immunitaires dans les ganglions prouvent qu'elles ont migré depuis la moelle, mais aussi depuis le thymus. Vous remarquez ici que les cellules immunitaires ont euh, occupant les lobes du ganglion sont positionnés à proximité de la circulation lymphatique qui sera d'un grand apport dans euh, la surveillance et dans le maintien de l'intégrité de l'organisme. En effet, les cellules immunitaires stockées dans les ganglions lymphatiques sont disposées à des endroits stratégiques en se positionnant à proximité des vaisseaux lymphatiques. À l'évolution de la taille des ganglions, l'expérimentateur s'est intéressé à l'énumération des cellules drainées dans les ganglions lymphatiques, autrement dit les cellules qui vont être acheminées par les vaisseaux lymphatiques afférents. Et il s'est intéressé à deux populations de cellules immunitaires, les lymphocytes et les macrophages. Ce qu'il faut retenir de ce doc, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance dans la réponse immunitaire, on assiste à une augmentation et du nombre de lymphocytes et du nombre des macrophages. Une telle augmentation de la numération va impacter la taille des ganglions qui vont connaître au bout d'un certain moment de la réaction immunitaire une hypertrophie. On parle de ganglions enflés. Donc, au sein des lobes des ganglions lymphatiques, la réaction immunitaire spécifique dans un contexte de rejet, se trouve amplifié. L'expérimentateur s'est intéressé par ailleurs à l'évolution du nombre de lymphocytes tantôt au niveau des organes lymphoïdes primaires, tantôt au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Et vous avez ici un code de couleur, les histogrammes en jaune sont relatifs au nombre de cellules au sein de la moelle osseuse, pour ce qui est des histogrammes bleus ils sont en rapport avec le nombre de cellules au sein des organes lymphoïdes secondaires. Dans un premier temps déjà, vous remarquez, si l'on s'intéresse uniquement aux histogrammes jeunes, vous remarquez une augmentation considérable des cellules immunitaires et, plus, euh, et en particulier les lymphocytes. Cette augmentation prouve que le greffon histocompatible sollicite dans un premier temps la moelle osseuse. Qui se met à produire d'innombrables lymphocytes. Fait intéressant, cette production atteint au bout d'un certain moment un pic, à l'issue duquel la formation finit par ralentir. Entre-temps, nous assistons à une apparition des cellules immunitaires au sein des organes lymphoïdes secondaires. Une apparition qui va se faire après un décalage dans le temps, prouvant que les lymphocytes formés au niveau de la moelle osseuse, dont certains avaient acquis l'immunocompétence, étaient en mesure de quitter cet organe lymphoïde primaire en direction des organes secondaires. On parle d'une migration qui va s'accompagner dans ce qui suit par un stockage venant renforcer le déroulé de la réponse immunitaire spécifique. Que nous demande l'auteur à la page 298 en effet, le travail demandé consiste à établir une relation entre les documents que nous venons d'étudier. Et en effet, pour pouvoir appréhender le document, référez-vous à la signification des figurés. Mais n'oubliez pas en part, pour ce qui est de l'explication de ce doc, de lymphocytes immunocompétent. Donc, on va s'intéresser aux flèches suivantes. Donc vous avez ici la flèche qui prend naissance de la moelle et qui se dirige vers la rate. En fait, les flèches qui émergent des organes lymphoïdes primaires en direction des organes lymphoïdes secondaires. On part de lymphocytes immunocompétents au sein des organes lymphoïdes on ne va pas reprendre l'explication. Ces lymphocytes sont capables de migrer en direction des organes lymphoïdes secondaires au sein duquel ils feront l'objet d'un... Stockage. À l'issue de toutes les connaissances acquises durant cette séquence, nous arrivons en fait à l'objectif de la séance, qui est l'étude en fait des acteurs de l'immunité spécifique. Sur ce, je vous invite à consulter le manuel scolaire à la page 298 tout en s'intéressant au document 30, s'intéressant à la formation, maturation, migration et stockage des lymphocytes. En fait, la consigne a été modifiée et le travail demandé consiste en fait à euh, utiliser le code de couleur afin de colorier les, les flèches du document 30. Les flèches roses euh, sont en rapport avec la formation, les flèches vertes en rapport avec la maturation, les flèches jaunes en rapport avec la migration et pour finir... Le, 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 le carré euh, bleu en rapport avec les zones où va se faire le stockage des cellules immunocompétentes. Tout commence par la cellule souche hématopoétique totipotente qui va générer toutes les lignées. Donc vous avez euh, une cellule souche capable de générer, comme ça a été évoqué, toutes les cellules, mais mis à part la formation des B, vous avez une maturation qui va se faire au sein de la moelle. Osseuse. Les lymphocytes prêtés générés au niveau de la moelle osseuse vont migrer en direction du thymus, au sein duquel ils vont acquérir une maturation. Et en fait, toutes les lignées élaborées au sein de la moelle osseuse sont sujettes à une migration vers des organes lymphoïdes secondaires, au sein desquels nous allons assister à un stockage un stockage qui va faciliter et euh, la détection et l'amplification de la réponse immunitaire en réponse à l'intrusion d'un agent pathogène. Donc nous venons parallèlement au coloriage du document de l'expliquer et c'est ce qui correspond à la consigne en rapport avec l'attribution d'un commentaire. Donc ce qu'il faut retenir de ce doc c'est que nous assistons au sein des organes lymphoïdes, pour ce qui est de la moelle osseuse, à une formation, à une maturation exclusive des LB. Pour ce qui est du thymus, nous assistons à une maturation exclusive des LT. Ces cellules immunocompétentes sont capables de migrer vers des organes lymphoïdes secondaires au sein desquels elles seront sujettes à un stockage. Une fois l'objectif de la séance atteint, il est possible d'énumérer les connaissances qui ont été euh, acquises. En effet, durant cette séquence d'apprentissage, nous nous sommes initiés à, aux organes du système immunitaire. Nous avons identifié ensemble les, eff, les effecteurs de la réponse immunitaire spécifique (RIMH, RIMC), euh, des anticorps, des lymphocytes, et j'en passe. Nous nous sommes initiés aussi euh, aux lieux de formation et on avait mis en évidence l'existence de tout un panel de, de cellules immunitaires, dont je cite le lymphocyte B doté de 100 BCR, le complexe humain. On n'a pas schématisé ici l'antigène, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la formation de euh, cet aspect en fait est tributaire de l'emplacement des antigènes au niveau des régions variables. Donc, vous avez ici, euh, mis à part les complexes humains, vous avez des lymphocytes T, des macrophages, des LT8, des LT4. Mais lors de la séance euh, prochaine, l'objectif en fait consiste à établir le lien entre les différents acteurs de la réponse immunitaire spécifique, aboutissant à la neutralisation de l'antigène. Merci pour votre attention et à la prochaine.